Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau match du Poké Tournoi. J'espère que vous allez bien, que vous allez super bien, que vous allez très très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le deuxième match du groupe A qui opposera aujourd'hui Death World à Ryu Drake. En tout cas, j'espère que vous allez super bien, bien sûr, pour suivre ce deuxième match du groupe A et ce deuxième match déjà de Ryu Drake, ce qui veut dire que s'il l'emporte aujourd'hui, eh bien il sera qualifié en première place du groupe A, et s'il perd aujourd'hui, eh bien tout sera remis en jeu et la première place ne sera acquise pour personne. On va tout de suite passer à la présentation des équipes, que vous connaissez déjà pour Ryu Drake. Donc Ryu Drake avec son équipe, eh bien, dont on a vu qu'elle pouvait faire énormément de ravages, on l'a vu pour l'ouverture du groupe A, surtout son Dracolosse et son Nidorino, hein, qui sont deux Pokémon extrêmement impressionnants, qui sont la base de la stratégie de l'équipe de Ryu, hein. Bien sûr, s'il les perd, il a beaucoup de mal par la suite, on a pu le voir également. Donc son Dracolosse, son Nidorino, ces deux Pokémon Dragon, voilà, ces deux évolutions également qui sont très puissantes, très gênantes avec leur toxique, les Absorbvolt de Voltali, des attaques tunnel et électriques très puissantes de Voltali, et les deux petites faiblesses de Ryu que sont son Alakazam et son Chenard. Bref, voilà, une équipe assez hétérogène mais en même temps qui envoie du très très lourd et qui promet beaucoup pour ce match. Également l'équipe de Death World maintenant, l'équipe de Death World composée donc d'un ectoplasma. C'est la première fois que vous voyez cette équipe dans le tournoi. L'équipe donc composée d'un ectoplasma qui est un très bon Pokémon, hein, un très très bon Pokémon avec quelques faiblesses quand même. Il faut donc se méfier, une attaque de type psy pourra faire très très mal par exemple. Également deux starters que sont Dracaufeu et Tortank. Dracaufeu et Tortank, les deux meilleurs starters de cette génération, qui peuvent apprendre de très bonnes attaques tous les deux, donc à se méfier également. Un Raichu, le Pokémon le plus utilisé de ce tournoi, bien entendu, hein, le Raichu. Le Léviator, qui est peut-être la petite épine de Death World. Léviator, avec son type au vol, qui reste quand même un excellent Pokémon, s'il est bien joué. Et enfin, Nidoking, on l'a déjà vu dans le groupe B, le Nidoking, qui est un bon Pokémon, mais qui est également dangereux à jouer. A voir donc comment va s'en sortir Death World, qui est un peu l'outsider de ce groupe. A voir également comment Ryu va pouvoir prendre le dessus sur ce match. Je sais vraiment pas là qui va prendre le dessus, qui va pouvoir tirer son épingle du jeu. Franchement, le match va être très disputé, autant que l'a été le premier match de ce groupe, avec, on l'espère, tout de même moins d'écart à la fin. Et tout de suite, eh bien, le début de ce match. Allez, on est parti. On est donc parti pour le début de ce match opposant Ryu à Death World avec Noctalie contre Dracaufeu pour commencer. Le Dracaufeu, il est à Death World, le Noctalie, il est à Ryu. On est donc du point de vue de Ryu, hein, bien sûr. Le regard noir de Noctalie qui va empêcher Dracaufeu de s'échapper. Ça s'associe sûrement avec l'attaque toxique. Attention tout de même. Hein, Death World, à ne pas se faire avoir par cette attaque toxique qui, on l'a vu, est plus dangereuse qu'il n'y paraît. Le rayon lune, qui plus est d'une Octalie, qui le rend vraiment extrêmement virulent comme Pokémon. Allez, le lance-flamme du Dracaufeu, qui est une attaque extrêmement puissante qui enlève, qui arrive à la moitié des PV d'une Octalie. Tandis que le Dracaufeu prend énormément de dégâts à cause du poison et des attaques ténèbres du Noctalie. Attention, attention vraiment, le Dracaufeu qui envoie une attaque lance-flamme extrêmement puissante qui brûle le Noctalie pour l'instant. Un niveau très relevé, hein, pour commencer ce combat, le Dracaufeu qui fait une nouvelle attaque lance-flamme qui envoie Noctalie à quasiment 0 PV. Allez, la brûlure qui va agir, qui va laisser le Noctalie sous le midlife. 1-0 pour l'instant pour Ryu Drake avec l'élimination de ce Dracaufeu qui peut coûter cher par la suite. Ectoplasma qui est envoyé pour jouer la faiblesse face à ce type ténèbres. Le Balombre, et non, malheureusement ça fait pas beaucoup Balombre, hein. C'est très peu efficace contre le type ténèbres. Et oui, il y a une erreur de faiblesse là ici.
Il y a une mauvaise connaissance de la table des types. Et ça risque de coûter cher encore une fois à Deathward. Attention, hein, attention. Deathward qui retire donc Ectoplasma au profit de Tortank qui a sûrement des attaques de type combat. Allez, Noctali qui est encore brûlé. Noctali qui est encore brûlé et qui du coup prend beaucoup de dégâts. Un nouveau toxique qui empoisonne une fois de plus le Tortank. Allez, la brûlure qui va terminer tranquillement Noctali, voilà. C'est très bien fait, c'est très bien fait de la part de Deathward. Allez. Allez, maintenant il faut sortir, voilà, le Voltali pour Ryu, qui prend donc l'avantage sur ce match. On retire Tortank au profit de Nidoking, très bien fait. Nexus qui tisse tonnerre du coup et ça rate. Évidemment, il est de type sol et poison de Nidoking. On va donc tenter une attaque sol pour que ce soit super efficace contre son type poison. Allez, le séisme qui fera énormément de dégâts sachant qu'il agit dans le sol. Le tunnel super efficace, attention. Et non, c'est pas ça qu'il fallait jouer. C'est pas ça qu'il fallait jouer, il fallait tenter une attaque séisme. Si seulement Deathward a une attaque séisme, bien sûr on ne sait pas s'il en a une. Tomb Rush qui rate une fois de plus. Peut-être qu'il n'a pas d'attaque séisme. Peut-être ne sait-il tout simplement pas que l'attaque séisme agit même quand on est en tunnel. Beaucoup de mauvaises connaissances. Hein. Beaucoup d'inculture Pokémon de la part de Deathward. Malheureusement, ça risque de lui coûter très très cher dans ce match. Contre un Ryu qu'on sait extrêmement puissant. Hein, Ryu. Attention, on renvoie Nidoking pour faire face au tonnerre. Bien joué. Très bien joué, Deathward. Là-dessus, rien à dire. Rien à dire à part que Nidoking, évidemment, n'est pas au niveau. Et là, ça risque d'être très dur. Le Mania qui rate. Faut faire une attaque séisme. C'est un type sol. Pourquoi n'a-t-il pas d'attaque séisme? Là, c'est une erreur de préparation. Beaucoup trop d'erreurs hein, pour ce début par Deathward. Qui reste à quelques PV. Quelques PV pour sauver son Nidoking. Et la morsure qui termine tranquillement le Nidoking. 2 à 1. Reprise de l'avantage net. Par Ryu qui va donc faire face à cet ectoplasma avec son Voltali. Allez, c'est bien fait. Attention, attention tout de même à cette attaque morsure qui fait un peu mal à l'ectoplasma. C'est pas fini, ectoplasma qui est plus rapide, mais c'est pas encore fait hein, pour le Voltali. C'est pas encore fait, il faut bien le jouer maintenant. Voilà, rappelez le Noctali. Envoyer un Pokémon beaucoup plus puissant à Dracolos. On balance une balle ombre qui fait quand même pas mal de dégâts. Un tiers des PV de Dracolos ont été enlevés. Prélèvement du destin. Oh que c'est bien joué parce que Dracolos utilise une attaque colère. C'est magnifiquement bien joué. Et Dracolos qui est mis KO par cette attaque prélèvement du destin. Qui est une des possibilités d'avoir égalité hein, d'ailleurs dans ce tournoi. Allez, on envoie le Léviator face à un Fenard. Attention que c'est risqué là. Que c'est risqué pour Ryu d'envoyer Fenard. Alors qu'il reste deux Pokémon haut en face. Et oui, on le rappelle forcément. Au profit de l'Hipporoi. Que l'on connaît bien. Hipporoi extrêmement, extrêmement puissant hein, bien sûr. Qui a pris tellement peu. Et surtout que les restes lui ont régénéré un peu sa vie. Le Machouille. Machouille coup critique qui plus est, qui fait bien mal sur l'Hipporoi. Extrêmement puissant hein, toujours cet Hipporoi. Allez Blizzard. Blizzard qui va faire terriblement mal. Et pas tant que ça en fait. Pas tant que ça, Léviator qui résiste grâce à son type haut. Allez. Allez maintenant il faut bien jouer. Il faut bien le jouer. Nexus qui est envoyé. Le Machouille qui termine tranquillement. Et simplement le Voltali, ça c'est pas super bien joué parce qu'on savait, qu'en face le Léviator allait faire une attaque qui de toute façon tuerait, enfin qui mettrait KO le Voltali. Point éclair sur le Léviator, ça le termine forcément. Et non, il n'est pas terminé, malgré le x4. Attention, il faut bien jouer Ryu, il faut bien jouer. Deathward, lui qui a joué très stratégique, qui envoie Raichu, son dernier Pokémon, qui
qui a l'avantage sur tout le reste. En tout cas, le point éclair qui va pas faire beaucoup de dégâts. Normalement, en tout cas, oui, c'est bon. Raichu qui résiste. Attention tout de même, attention. C'est pas fini, d'un côté comme de l'autre. On fait la vive attaque, qui fait quand même mal. Il aurait mieux valu tenter une attaque éclair à la Kazam qui est paralysée. Ça va tout changer parce qu'à la Kazam qui est quand même un Pokémon puissant. Et bah là il va avoir du mal pour la suite. Et oui, à la Kazam qui est logiquement pris. Et on prend 4-3 pour Deathward qui prend largement l'avantage maintenant. Largement l'avantage avec ce Raichu qui est au-dessus. Plus rapide, plus puissant aussi. L'attaque Blizzard de Seaqueen qui réussit encore une fois. Beaucoup de taux de réussite quand même avec cette attaque Blizzard qui est censée rater un peu plus souvent que ça, hein, qui a fait la différence quand même, le taux de réussite sur le premier match, qui peut aussi le faire ici, le Vive Attaque, qui fait quand même des dégâts. On va retirer Raichu parce qu'on sait que c'est le seul espoir de victoire face à l'Hyporoi. On l'a vu hein, d'ailleurs sur le premier match de ce groupe, que Raichu était un Pokémon excellent face à Hyporoi, mais dès qu'il était plus là, et bah il pourra prendre le pouvoir largement. Donc il faut pas faire cette erreur pour Ryu. Deathward face à Ryu. Allez, l'hydrocanon qui passe et qui va logiquement terminer le Fenard. Il ne reste plus que l'Hyporoi en face. Que c'est dur pour Ryu. Qui n'a plus que son Hyporoi pour pleurer. Et ouais, on utilise Blizzard qui rate. Le Tortang qui est confus, qui va donc prendre de la folie et qui est terminé à cause du poison. Il aurait été terminé quoi qu'il arrive à cause du poison. Malheureusement, ça peut compter pour le Colavérage à la fin. Surtout vu le tournant que prend le groupe. Si Deathward venait à gagner et que Liberty derrière gagnait face à Deathward, eh bien tout serait fait au Colavérage. En tout cas, c'est gagné. Pour Deathward dans cette première manche, c'est terriblement bien joué de la part de Deathward qui l'emporte largement sur cette première manche. Hein, bien sûr, ça a été dur quand même, ça a été dur pour Ryu qui, on l'espère pour lui, va se rattraper sur la suite de cette partie. En tout cas, de grosses difficultés hein, pour l'instant pour Ryu à trouver ses marques sur les premières manches. Espérons qu'il fasse mieux par la suite. Pour l'instant, les demi-finales lui tendent les bras s'il réussit à gagner ce match. C'est dur, c'est très dur pour l'instant, on va se le dire. C'est très très dur et du coup, eh bien, il va falloir s'accrocher pour tenter de remporter ce match, hein, bien sûr. Et du coup, eh bien, on va se retrouver tout de suite pour la deuxième manche. Allez, on est donc parti pour la deuxième manche de ce match opposant toujours, eh bien, Ryu à Deathward, bien sûr. Et là, Dracaufeu face à Voltali, ça va faire des étincelles, on peut le dire sans mauvais jeu de mots, ça va faire des étincelles. Évidemment, avantage à Ryu avec son Voltali. On envoie Nidoking pour contrer les attaques électriques. C'est bien fait, c'est très bien fait. Un tour de perdu, il n'est pas tant perdu que ça hein, pour Deathward. Ni pour Ryu d'ailleurs, hein, qui garde un petit avantage puisque deux Pokémon ont déjà été sortis. On utilise des attaques roches qui ne sont pas super efficaces contre le type électrique. Hein, il faut se méfier quand même. Des fausses apparences, on utilise le tunnel. Super efficace par contre contre le type poison. Attention tout de même à ce qui va se passer maintenant parce que là, du coup, Nidoking qui a perdu son avantage. Nidoking qui a perdu son avantage, mais on peut tout de même imaginer que Deathward, voilà, change son Pokémon, envoie Ectoplasma. Ectoplasma qui est également de type poison, donc il faut se méfier de cette attaque tunnel. Ectoplasma qui est plus rapide que Voltali et qui du coup va se faire quand même attaquer par l'attaque tunnel. Il a lévitation, heureusement. Il a lévitation, ça le sauve. Et du coup, on va changer de Pokémon pour un Octali qui a l'avantage face à Ectoplasma. C'est pas très efficace évidemment. Un dixième des PV de Noctali qui ont été retirés simplement par cette attaque Balombre. Allez, on envoie Dracaufeu
On envoie Dracaufeu et le regard noir, il est pour le Dracaufeu qui ne peut donc pas sortir du combat tant que Noctali n'est pas rappelé par son dresseur ou n'est pas mis KO. Allez, le coup critique sur le lance-flamme qui fait mal. Attention tout de même. Attention maintenant. Et ouais, la BPE chasse sur le Dracaufeu qui vient de le sauver de cette attaque toxique. Il n'aura pas de deuxième chance par contre. Il aurait fallu insister hein, pour le Noctali. Et on balance lance-flamme sur Dracolos qui prend pas beaucoup de dégâts du coup. Espérons que Dracaufeu n'ait pas d'attaque dragon. Apparemment non, on renvoie Ectoplasma pour essayer de contrer le Dracolos. Ectoplasma qui est du coup paralysé. Allez, on balance une danse Draco. Qui augmente les stats de Dracolos qui va pouvoir balancer ses colères cette fois-ci. Le prélèvement du destin, attention! Attention au prélèvement du destin quand même. Qui ne sert que, évidemment, si Ectoplasma attaque en premier, là ça va plus beaucoup servir malheureusement. Il faut changer de Pokémon. Le prélèvement du destin ne sert plus à rien. La danse Draco qui augmente encore les stats de Dracolos. Là c'est fini avec un tel Dracolos qui va pouvoir attaquer Colère. Allez, la balle ombre, il faut terminer ce Dracolos. Dracolos qui souffre du poison par ailleurs, ça peut faire très mal à la fin tout ça. Et Dracolos qui utilise Colère. Aïe aïe aïe. Attention là maintenant, attention à ce qui va se passer. Parce que là Dracolos utilisant Colère, ça va faire mal à la fin, ça va faire très très mal. Il y a deux ou trois Pokémon qui vont partir selon que Ryu ait de la chance ou non avec la confusion. Et Dracolos qui du coup termine le Raichu. C'est pas super bien joué ça. On perd le Raichu donc on perd la potentielle élimination facile du Sequine derrière. 2 à 1 avec le poison Deathward qui réussit tout de même à éliminer le Dracolos. Et Nidoking qui est envoyé pour faire face à la Kazam. Ryu qui prend l'avantage face à Nidoking du coup. Et on retire Nidoking au profit de Léviator. Léviator qui est envoyé, espérons qu'il n'ait pas fait point éclair. Et non, c'est psycho mais derrière à la Kazam qui va être plus rapide. Voilà, Léviator bêtement sacrifié là. On le sait en plus qu'il a les différents points. C'est tout de même pas fini le coup critique sur ma chouille. Et oui, ça one shot à la Kazam. Bien joué tout de même, très bien joué de la part de Deathward. C'était un pari risqué face à la Kazam, mais le risque a été pris, le risque a été bien pris. On réussit tout de même à se débarrasser de cette Alakazam de partout. Avantage tout de même Ryu, mais là quand même le match semble se délier un peu quand même pour Deathward. Malgré les petites difficultés auxquelles il fait face dans cette manche, on se retrouve à peu près sur la même situation que tout à l'heure. Mais le Raichu en moins, et là ça peut peser lourd dans la balance. Le Blizzard raté par l'Hipporoi. Allez, la danse Draco pour augmenter les stats de l'Hipporoi. Ça risque de faire terriblement mal par la suite. Hydrocanon qui risque de pas faire beaucoup malheureusement. Et non, ça ne fait même rien. Ça fait rien du tout. Allez, faut s'accrocher là maintenant. Danse Draco pour augmenter encore les stats. Il craint pas grand chose pour l'instant Ryu. On utilise Vibraco, c'est moins puissant qu'Hydrocanon. Il va même regagner de la vie. Et ouais, non, là l'attaque Blizzard qui va faire extrêmement mal sur le Tortank. Pas tant que ça. Mais pourquoi continue-t-il les attaques Vibraco alors que ça ne fait rien? Pourquoi est-ce qu'il continue comme ça? Alors que Sequine regagne presque de la vie, là l'attaque cascade qui va faire mal avec le danse Draco. Ça va faire terriblement mal. Et oui, Midlife. Et non, les attaques Hydrocanon qui servent à rien. Trop d'attaques haut chez ce Tortank. Il faut balancer d'autres attaques là. Des attaques efficaces normales. De toute façon, il n'y a que le dragon super efficace contre Hypourroi. Donc là, c'est des attaques.
c'est des attaques efficaces normales qu'il faut balancer. Et ouais, non mais c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Et là, là c'est terminé. De toute façon, Hipporoi qui va balancer une attaque cascade de nouveau, on imagine. Voilà, pour terminer le Léviator et la deuxième manche qui va être gagnée hein, pour Ryu largement. Largement, maintenant, il a l'avantage du type sur... Enfin, il a l'avantage sur tous les autres Pokémon que peut sortir Deathward. Là, c'est pas super bien joué, là, de sa part. Deathward, c'est assez mauvais, quand même, ce qu'il vient de nous produire. Allez, il faut toujours espérer. Non, malheureusement, les cascades vont faire beaucoup trop mal. Là, c'est des attaques physiques, on le rappelle. Et deux Pokémon faibles face au type O, moins rapide qui plus est, surtout à cause du Dance Draco. Non, là, c'est terminé. Là, c'est clairement terminé. Encore une attaque cascade qui va faire encore plus mal qu'elle ne le devrait déjà avec son type super efficace. Et il reste Dracoflan en face qui va rapidement se faire terminer. Que c'est dur. Que c'est dur tout de même. Comme match pour Deathward, comme deuxième manche. Là, c'est difficilement terminé et on retrouve encore ce score qu'affectionne tout particulièrement Ryu. Ce 6-2 qu'il avait déjà infligé dans le premier match. Et Ryu là qui montre sa domination sans partage, hein, vraiment. Domination sans partage sur ce groupe dans cette deuxième manche, il vient de la prouver. S'il nous refait une troisième manche comme ça, eh bien il sera directement qualifié en première position pour les demi-finales. Sinon, on verra un Deathward à égalité de points avec Ryu tout de même en deuxième position. Normalement, vu comment ça se profile, ça va être le cas en deuxième position. Deathward. On sait jamais bien sûr ce qu'il peut se passer et surtout on ne sait jamais ce que peut nous produire Deathward en troisième manche, ce que peut produire Ryu également en troisième manche. En tout cas, l'avenir de Ryu est pleinement entre ses mains. S'il l'emporte cette troisième manche, eh bien il sera directement qualifié. Allez, on est parti. On est donc parti pour cette troisième manche opposant Deathward à Ryu avec un Dracaufeu face à un Alakazam. Avantage minime, on va dire, pour Deathward avec son Dracaufeu. Alakazam qui est un bon Pokémon, mais pourquoi change-t-il? Il avait l'avantage. Et là, du coup, il va y avoir un point éclair quoi qu'il arrive. Il va y avoir point éclair pour contrer le type vol, et oui, là c'est assez bête quand même. Là c'est assez bête parce que Dracaufeu type vol, on pouvait se douter qu'il y aurait une attaque électrique. Le Machou, on l'espère qu'il va faire assez mal, c'est super efficace. Et oui, ça one shot quand même. Ça one shot quand même, mais perte de beaucoup de PV là. Grosse perte de PV tout de même. Bon, c'est pas si mal joué. Léviator qui est quand même une épine dans cette équipe de Deathward. Voyons voir comment il va se débrouiller. Là pour l'instant c'est assez mal parti. Hein. Pour Ryu avec la perte de son Alakazam dès le début, qui est son épine quand même, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Dracaufeu qui est renvoyé face à Noctali avec un lance-flamme qui risque de faire un peu mal quand même. Un quart des PV de Noctali est retiré. Et Dracaufeu empoisonné avec en plus, il me semble, un regard noir. Donc ça va être assez dur. On change Noctali, du coup le regard noir qui n'est plus efficace normalement. Qui va se prendre le lance-flamme qui ne va quasiment rien lui faire. Il faut le mater rapidement ce Dracolas, sinon ça risque de faire très mal pour l'équipe de Deathward qui risque de perdre 2 à 3 Pokémon avec l'attaque colère qui va en plus être boostée par cette danse Draco. Allez, l'ectoplasma qui peut faire la différence en étant plus rapide. Malheureusement, il ne l'est plus à cause des danses Draco de Dracolos. Faut l'empoisonner, c'est le seul espoir là maintenant. Espérons qu'il l'ait fait. Et oui, joli toxique qui marche et qui empoisonne Dracolos. Dracolos qui perd maintenant un cinquième de sa vie. Le colère qui fait mal avec cette double danse Draco qui l'a boosté à fond. Seul le poison hein, pour en venir à bout à mon avis maintenant. À moins qu'on trouve un Pokémon plus rapide que lui, ce qui serait vraiment étonnant. Les danses Draco l'ont vraiment bien boosté. Allez, une attaque glace pourrait faire la différence. Malgré tout. Et non. Là l'attaque colère qui est beaucoup trop puissante. Et du coup,
où Dracolas qui se retrouve confus, empoisonné, mais qui a fait des kills dans ce début de troisième manche. Ça va se jouer là-dessus, hein, ça va se jouer sur ces petites différences. Deux Pokémon empoisonnés l'un face à l'autre, mais on va tenter l'attaque colère de nouveau si elle passe. Et oui, elle passe! Bien sûr qu'elle passe! Bien sûr qu'elle passe! Et là, du coup, Ryu qui se retrouve avec un avantage considérable. Dracolos qui, de toute façon, sortira au tour suivant. C'est pas bon ça de tenter le Raichu. C'est pas bon ça de tenter le Raichu. J'allais tenter un autre Pokémon moins utile. La folie qui inflige des dégâts, heureusement. Heureusement. Heureusement quand même que la folie inflige des dégâts si on perd des Raichu. Et là du coup on se retrouve avec deux Pokémon électriques dont un à Absorb Bolt. Ce qui augmentera sa vitesse s'il reçoit des attaques électriques et ce serait pas bon. Vive attaque du coup. Vive attaque qui inflige quelques dégâts. Il faut changer de Pokémon maintenant. Envoyez ne pas envoyer Nidoking justement. Envoyez Léviator, c'est la meilleure chose à faire. Et ouais, non, ça c'est mal joué. C'est mal joué, le Léviator pourrait plus changer la donne face à Voltali. Et ça va être très très dur. Ça va être extrêmement dur même pour Deathworm maintenant, qui se retrouve en très mauvaise posture. Lexus qui utilise Morsure pour terminer. Non! Le Léviator qui a une très grande défense, ne l'oublions pas. Mais malheureusement, Voltali qui attaque en premier et là, ça se termine facilement. Ça se termine même très facilement. Ryu qui va accéder tranquillement en demi-finale si ça continue. Et du coup, Deathworm qui va devoir jouer une finale de groupe face à Liberty pour la deuxième place. C'est dur quand même, que c'est dur. Nidoking qui est envoyé pour essayer de contrer le type électrique. Mais il a tout de même le type sol, attention à ce Voltali quand même. Là, il n'y a plus trop le choix malheureusement. On est obligé de l'encaisser cette attaque tunnel. Coup critique qui plus est, attention. Et oui, même s'il y a le point poison, ça va faire mal au bout. Ça va faire mal, surtout que Nidoking rate son attaque. Allez, le poison qui peut tout de même achever. Le Noctali, on utilise Tombrose, Charat encore et cette fois-ci ça va être terminé pour le Hidoking qui va tomber KO facilement. En tout cas j'imagine. Tunnel encore une fois super efficace. Ça fait mal, ça fait terriblement mal. Le Voltali qui prend quelques dégâts et là Ryu qui va s'en ficher un peu du collavérage. Puisque de toute façon s'il remporte cette manche il est premier. Voltali qui souffre du poison. Raichu qui utilise vive attaque. À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire ça? Et c'est pas fini! C'est pas fini, le Raichu qui résiste! Le Raichu qui résiste et qui du coup va faire sa vive attaque pour tout de même tenter de prendre quelques points avec quelques PV. C'est encore jouable ou pas? Non, ce n'est plus jouable. À moins d'un coup critique. Raichu est plus rapide, rappelons-le. Raichu est plus rapide, c'est encore jouable avec un coup critique, mais là, c'est la chance. Et non, la stratégie qui va faire gagner Raichu. Mais que fait-il? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a pris coup critique en plus. Et ça va se terminer sur une brûlure. Cette fois, c'est fait. Cette fois, c'est fait. Ryu est en demi-finale. Ryu est qualifié pour les demi-finales. Le premier qualifié pour les demi-finales. Et il jouera donc contre le deuxième du groupe B en demi-finale, du coup. Terriblement bien joué de la part de Ryu qui avait perdu la première manche et qui ne s'est pas laissé abattre. 4-6, 6-2, 6-3 pour Ryu qui l'emporte largement face à son adversaire au final. Terriblement bien joué, on le retrouvera donc en demi-finale pour Deathworld. Et bien ce sera un peu plus compliqué, Deathworld qui est pour l'instant deuxième de cette poule. Attendez tout de même, non il n'est pas deuxième, il est troisième. Il est troisième de cette poule à un kill près. À un kill près tout de même, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup hein, pour la différence à la fin. Un kill, ça peut quand même tout changer. Il est donc obligé de l'emporter face à Liberty dans ce troisième match du groupe A. On rappelle hein, du coup Liberty à 0 points, Deathworld à 0 points, Ryu à 6 points qui remporte donc
La première place de ce groupe A, ça ne veut rien dire évidemment pour les demi-finales, tout sera remis en jeu. Mais en attendant, Ryu qui est qualifié, contrairement aux deux autres qui vont devoir batailler sec pour l'emporter et réussir à se qualifier pour les demi-finales. Allez, à la prochaine! Bye tout le monde!